Athènes, la plus ancienne des démocraties. Une ville au rayonnement incomparable dans l'Antiquité. Une cité qui concentre le pouvoir et la richesse au cœur d'un puissant empire maritime. À la tête de cette ville-État, un homme semble incarner à lui tout seul la grandeur d'Athènes, Périclès. Mais en l'an -431, cet homme semble prêt à se lancer dans une aventure hasardeuse qui pourrait mettre en péril cette belle réussite. Une guerre censée renforcer la domination d'Athènes sur la Méditerranée. Le conflit va en effet apporter des bouleversements, mais pas ceux promis par Périclès. Dans cette époque troublée, un Athénien du nom de Socrate va devenir quant à lui le chef de file d'un nouvel empire inédit qui, aujourd'hui encore, est considéré comme l'héritage le plus précieux des Grecs, un empire de la raison. Nous sommes à la prison d'Athènes, en l'an 399 avant Jésus-Christ. Le grand philosophe Socrate va être exécuté. Au dehors, la cité est en ruine. La nation athénienne a perdu dans la guerre sa gloire et son empire. Le peuple se sent démuni. Socrate est l'un des seuls à s'être élevé contre ce conflit, l'un des seuls qui aurait pu sauver ses concitoyens de cette défaite cuisante. Pourtant, son sort est scellé. Comment les Athéniens ont-ils pu condamner à mort l'un de leurs esprits les plus brillants? Comment ont-ils perdu leur grandeur passée? Pour le savoir, il nous faut revenir 30 ans en arrière. En 431 avant notre ère, la cité d'Athènes est la grande puissance de la Méditerranée. Périclès, issu d'une famille aristocratique, est à la tête de cette ville-État qui a bâti un empire maritime sur le pourtour de la mer Égée. Elle possède une imposante flotte de trières, des galères de combat. Athènes se trouve en outre au cœur d'un vaste réseau d'échanges commerciaux qui s'étend de la Grande-Bretagne à l'Inde. Une source de richesse considérable pour la cité. Périclès lui-même a beaucoup œuvré à faire de la ville un joyau du monde antique. Il a fait construire le Parthénon, un gigantesque temple consacré à la déesse Athéna. Un monument somptueux. Mais malgré son autorité et son influence, Périclès n'est pas seul maître du pouvoir. Car Athènes est une démocratie. Et en voici le lieu le plus emblématique, le Pnyx, siège de l'Assemblée des citoyens. Tous citoyens athéniens ont son mot à dire dans la conduite des affaires de l'État. C'est ici que Périclès doit défendre sa politique et convaincre ses concitoyens.
un jour de l'an -431, il prend la parole pour leur présenter un nouveau projet ambitieux. Un plan qui doit marquer l'apogée de la gloire athénienne. Périclès a l'intention de venir à bout de la seule grande rivale d'Athènes, Sparte. Sparte est la seule cité-État grecque capable de se mesurer à Athènes. Les Spartiates règnent sur le sud du Péloponnèse et possèdent une armée redoutable. Ils sont d'ailleurs entraînés à l'art de la guerre dès leur plus jeune âge. Voilà des années que les tensions s'intensifient entre Athènes et Sparte. Pour Périclès, il est temps d'en découdre avec ce dangereux rival. Athènes pourra ainsi régner sans partage sur la Méditerranée. Si nous faisons la guerre, ce qui me paraît la meilleure solution, nous ne céderons sous aucun prétexte. Car ce sont les plus grands dangers qui réservent les plus grands honneurs. L'assemblée des citoyens se rallie au projet de Périclès. Après tout, Athènes n'a jamais reculé devant le danger. Dans l'Antiquité, les Grecs n'étaient pas un peuple pacifique, loin de là. L'état de guerre était la règle et la paix plutôt l'exception. Quant aux Athéniens, ils étaient aussi belliqueux que les autres Grecs. Périclès sait que la guerre contre Sparte sera difficile à remporter, car l'infanterie spartiate est redoutable. Athènes, au contraire, tire sa puissance de sa marine. L'homme d'État a donc mis au point une stratégie sophistiquée. Il convainc ses concitoyens d'abandonner toutes les terres aux alentours d'Athènes et de se retrancher derrière les hauts murs de la cité qui s'étendent jusqu'au port du Pirée. Le ravitaillement se fera par la mer. Des navires marchands achemineront les céréales et les denrées indispensables depuis les colonies et les alliés d'Athènes sur le pourtour méditerranéen. Le tout sous la protection de la flotte athénienne. Périclès compte utiliser sa marine de guerre pour attaquer les Spartiates depuis la côte. Cette stratégie révèle un jugement très fin. Périclès pensait qu'au bout d'un an ou deux, trois tout au plus, les Spartiates se rendraient compte qu'ils allaient droit à la défaite. Car les Athéniens ne leur livreraient jamais la bataille d'infanterie dont ils avaient absolument besoin pour gagner. La flotte athénienne a toujours joué un rôle clé pour la cité. Elle lui a assuré de grandes victoires militaires et lui a permis de se constituer un empire. Périclès est certain qu'elle va maintenant offrir à Athènes son triomphe ultime. Les Athéniens affluent donc derrière les murs de la ville. Ils sont confiants. La stratégie de Périclès leur apportera la victoire et concrétisera leur rêve de gloire impériale. Mais au milieu de cette foule galvanisée, un homme refuse de se laisser convaincre. Un homme à part dans la société athénienne, Socrate. «
La première chose qui devait frapper ses concitoyens quand ils rencontraient Socrate, c'était son physique disgracieux. Sa tête était trop volumineuse, ses yeux trop grands et son nez avait une forme bizarre. Son apparence était contraire à toutes les règles de l'esthétique grecque classique et aux conceptions qu'on avait des proportions et de la mesure. Socrate arpente les rues d'Athènes pieds nus, vêtu seulement d'une tunique crasseuse. Il ne se soucie absolument pas de son apparence, ni des conventions de son époque. Ce qui l'intéresse, c'est la réflexion. Ce personnage atypique va prendre la tête d'une véritable révolution de la pensée, qui couve déjà depuis plusieurs années dans l'Empire grec. Pendant des millénaires, l'humanité a cru que le monde qui l'entourait, le soleil, les étoiles et la lune, étaient en réalité des divinités et des esprits. Pensant qu'on signait des messages divins, des civilisations antiques telles que les Babyloniens ont constitué de vastes recueils de données astronomiques. Ce calendrier venu de Babylone recense par exemple le lever et le coucher des constellations, ainsi que les dieux qu'elles représentent. L'étude du ciel s'est lentement diffusée dans tout le monde antique, jusqu'à atteindre les colonies grecques situées sur les côtes de la Turquie moderne. C'est là qu'un bouleversement s'annonce. Car les Grecs s'approprient ce savoir astronomique et le transforment entièrement. Avec eux, s'amorce la fin du règne des divinités et le début de celui de la raison. Peu à peu, les Grecs ont commencé à dire « Les étoiles ne sont pas des êtres vivants, ce sont des objets. » Le monde est régi par un ordre global que l'esprit humain peut appréhender et comprendre. Ils apprennent à prévoir la trajectoire de la Lune et des étoiles grâce à la logique et à des formules mathématiques, au lieu d'expliquer tous les phénomènes par l'intervention des dieux. C'est la naissance de la science. Thalès, le premier grand scientifique grec, rédige ainsi un traité de navigation pionnier qui explique comment utiliser les étoiles pour se guider. Et lors d'un voyage en Égypte, Thalès est aussi le premier à mesurer la hauteur de la Grande Pyramide. Il a eu l'idée géniale de se poster à côté de la pyramide, sous le soleil. Lorsque sa propre ombre a atteint exactement la même taille que lui, il a mesuré l'ombre de la pyramide et en a déduit la hauteur de la construction. C'est en fait l'application d'un théorème de géométrie beaucoup plus complexe. Les savants grecs seront aussi les premiers à supposer que la Terre est sphérique et non plate, et à en calculer la circonférence. Ils inventeront aussi la machine à vapeur, la pompe à eau et les ponts suspendus. Mais Socrate, lui, ne s'intéresse pas au fonctionnement du monde tangible. Son nouveau mode de pensée, fondé sur la raison et la logique, lui sert à étudier ses semblables. Le grand bouleversement arrive avec Socrate, qui tourne le dos au monde de la nature. Ce qui l'intéresse, c'est l'individu. L'autre devient un objet d'attention et d'étude. Dans les rues d'Athènes, Socrate passe ses journées à converser, discuter et argumenter avec les passants. Avec plus de 150 000 personnes regroupées derrière les murs de la ville, il est dans son élément.
Le plus extraordinaire chez Socrate, c'est qu'il était le premier citadin passionné. Il adorait la cité et a fait de la vie de la cité l'une de ses préoccupations centrales. Le philosophe remet en cause sans relâche les présupposés de ses concitoyens, leur conception de la vie, de la vertu et du vice, du bien et du mal. Il prend un malin plaisir à mettre sans dessus-dessous les conventions de son époque. Xénophon, l'un des disciples de Socrate, relate comment, lors d'un banquet, le philosophe prouve à un convive qu'il est en réalité plus beau que lui. Mes yeux sont plus beaux que les tiens. Les tiens ne voient que devant eux, tandis que les miens voient aussi de côté, puisqu'ils sont à fleur de tête. De la même façon, mon nez est plus beau que le tien, car mes narines sont retroussées pour recevoir les odeurs de tous les côtés. Voilà qui est typique de Socrate, présenter le monde sous un jour inédit grâce à la raison et à la logique. Pour Socrate, nous devons prendre nos décisions selon notre conception de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est vertueux et de ce qui ne l'est pas. À ses yeux, la liberté de penser est d'une importance capitale, même si elle consiste à chambouler les idées reçues. Je vous dis que le plus grand bien de l'homme, c'est de s'entretenir chaque jour des choses dont vous m'avez entendu discourir. Une vie qu'on n'examine pas ne vaut pas d'être vécue. Mais tandis que Socrate débat avec ses concitoyens, la guerre a commencé. Les Spartiates envahissent la région d'Athènes et mettent le feu aux terres agricoles environnantes. Dans la cité, la peur s'installe. Les habitants assistent impuissants à la destruction de leurs champs et de leurs récoltes, qu'ils voient partir en fumée depuis les murs de la ville. Pourtant, grâce à son charisme, Périclès réussit à convaincre son peuple de s'en tenir au plan initial. La ville peut toujours compter sur sa flotte et sur les marchandises expédiées depuis l'étranger. À bord des navires, malheureusement, se cache une menace plus terrible encore que les Spartiates. Car après un an de conflit, les vaisseaux chargés de céréales apportent dans leur cale une cargaison imprévue, le bacille de la peste. Très vite, Athènes est ravagée par l'épidémie. Le plan de Périclès n'a pas su anticiper ces difficultés. Pourtant, dans ce contexte de surpeuplement, c'était un risque prévisible. Le résultat a été épouvantable. L'épidémie se répand comme une traînée de poudre dans la population massée dans l'enceinte de la ville. Les symptômes sont horribles, comme en témoigne l'œuvre de l'historien et chroniqueur Thucydide, qui les décrit en détail. En général, on était frappé sans aucun signe précurseur, mais à l'improviste. D'abord, on ressentait de vives chaleurs de tête, les yeux devenaient rouges et enflammés. Puis le mal descendait dans les intestins et y provoquait de fortes ulcérations suivies d'une diarrhée opiniâtre. Il est impossible de dépeindre les ravages de ce fléau. Il sévissait avec une violence irrésistible. La ville devait être dans un triste état, frappée d'une puanteur insupportable. C'était un enfer où régnait la terreur. Les victimes, brisées par la fièvre et pris d'une soif irrépressible, rampent jusqu'à l'intérieur des citernes d'eau pour y mourir. Thucydide assiste à des scènes déchirantes dans les rues. Les corps inanimés gisaient pêle-mêle.
des infortunés se roulaient dans les rues à demi-morts. Les hommes, atterrés par l'immensité de la catastrophe, avaient perdu le respect des choses divines et sacrées. La peste a eu des effets dévastateurs sur Athènes. Le tissu social de la société athénienne s'est désintégré. Les gens ne voyaient plus l'intérêt d'être vertueux. À quoi bon faire le bien puisque tout le monde mourait sans discrimination? La peste emporte plus du tiers de la population d'Athènes. Elle frappe aussi l'homme le plus emblématique de la cité, Périclès. Plutarque, son biographe, décrit ainsi ses symptômes. La peste s'empara de Périclès. L'attaque ne fut pas aiguë comme chez d'autres, ni violente. Le fléau prit la forme d'une maladie sournoise qui épuisa son corps et mina sa force morale. L'homme fort de la cité en est réduit à recourir à des potions et à des sorts dans l'espoir de guérir. Périclès, recevant la visite d'un de ses amis, lui montra une amulette suspendue à son cou par les femmes, comme la preuve qu'il devait aller bien mal pour supporter cette sottise. Sa maladie se prolonge pendant 6 mois, avant de l'emporter en moins 429. Périclès nourrissait l'ambition de faire d'Athènes la première puissance de la Méditerranée. Mais sa stratégie soigneusement planifiée n'a apporté que la désolation. Comme la plupart des grands hommes à qui tout semble réussir, Périclès a sous-estimé un facteur. Certaines choses échappent au contrôle de l'homme, même quand celui-ci est l'un des plus intelligents qui soit. Sa mort a des effets considérables. Il s'avère très vite que le bon fonctionnement d'Athènes reposait jusqu'à présent sur un seul homme, celui qui vient de mourir. Plutarque décrit les changements rapides qui s'ensuivent. Ceux qui, de son vivant, trouvaient lourde son autorité, furent forcés d'avouer qu'il était le rempart qui avait sauvé la cité. Après sa mort, la corruption se répandit dans toute la ville et y fit régner une foule de vices. Les défauts de la démocratie athénienne éclatent au grand jour. En l'absence d'un leader, d'innombrables prétendants tentent de prendre le pouvoir. Pour y parvenir, ils ont recours à la pire des démagogies. Pour flatter le peuple, les successeurs de Périclès, qui voulaient tous se hisser au premier rang, étaient portés à lui abandonner les affaires. Un risque inédit et terrifiant se fait jour. La démocratie athénienne menace de céder à la loi de la rue. Dans ces conditions, difficile de poursuivre la guerre. L'armée remporte pourtant une modeste victoire contre les Spartiates, sur une mer secouée par la tempête. À leur retour, les généraux athéniens, à la tête de la flotte, s'attendent à être accueillis en héros.
mais dès leur arrivée, ils sont jetés en prison. La tempête les a forcés à regagner Athènes en toute hâte, sans recueillir les soldats tombés à la mer pendant la bataille. Des orateurs habiles persuadent la population que ces généraux ont commis là un crime épouvantable et ne méritent qu'un jugement sommaire avant d'être exécutés. Selon les chroniqueurs de l'époque, un seul homme se dresse alors pour tenter de raisonner la foule, Socrate. Seul contre tous, Socrate s'est élevé contre les réactions furieusement agressives exprimées par l'opinion publique. Il a campé sur ses positions, a déclaré que c'était une erreur et qu'il allait voter contre. Les principes prônés par Socrate trouvent ici une application concrète. Il a refusé de se soumettre à quelque pression que ce soit et a continué à penser pour lui-même, à faire ce que lui dictait sa conscience et sa raison. Mais au final, Socrate reste une voix bien solitaire. Malgré ses arguments, l'Assemblée refuse de revenir sur sa décision. Les généraux sont condamnés à la mort par absorption de ciguë, un poison. C'est une perte énorme pour l'effort de guerre athénien. L'Assemblée est désormais contrôlée par quelques despotes ambitieux. Et Athènes, loin de sa puissance d'antan, commence à se fourvoyer. Après la mort de Périclès, Athènes n'a jamais retrouvé un chef politique capable de développer une vision globale aussi mûrement réfléchie et de fixer des objectifs ayant des chances d'être atteints. La guerre contre Sparte dégénère en un conflit âpre et s'éternise sur plus d'une décennie. Les Spartiates saccagent les environs de la capitale. Seule la flotte athénienne permet encore de ravitailler la ville. Aucun des deux camps ne parvient à prendre le dessus. Privés de victoire, les Athéniens sont de plus en plus dépités. Après tout, leur état passe pour être le plus puissant de toute la Grèce. Il est temps à leurs yeux de prouver leur force une bonne fois pour toutes. En l'an 416 avant Jésus-Christ, une proposition audacieuse est présentée à l'Assemblée. Même si elle ne garantit pas la défaite de Sparte, elle devrait permettre aux Athéniens de satisfaire leur soif de gloire. Ségeste, une petite colonie grecque située en Sicile, a demandé protection à Athènes. Elle est en guerre avec la cité voisine de Sélinonte, soutenu par Syracuse, l'allié de Sparte. Les Athéniens décident de venir en aide à Ségeste et d'humilier leurs ennemis jurés. Ils espèrent en profiter pour conquérir toute la Sicile. Un Athénien prend la parole face à l'Assemblée. Nous-mêmes, comme tout le monde, nous n'avons acquis l'Empire qu'en nous portant à l'aide de ceux qui sollicitaient notre assistance. Menons cette expédition pour rabattre l'orgueil des Spartiates.
nous nous placerons tout naturellement à la tête de la Grèce entière. Le projet est ambitieux et demande des moyens importants. Notamment une vaste flotte de vaisseaux de guerre et quelques 10 000 hommes pour assurer le débarquement en Sicile. Les Athéniens se lancent dans l'aventure avec enthousiasme. Les armuriers rallument leurs forges. Les soldats vérifient leur équipement. Des provisions sont chargées à bord des trières. Et les armateurs préparent leur vaisseau. La puissante force d'invasion met le cap sur la Sicile avec tambour et trompette. Six mois plus tard, les Athéniens apprennent que la campagne de Sicile est plus laborieuse que prévu. Il faut envoyer des renforts. Et sur ce, plus de nouvelles. Jusqu'à l'automne de l'an -413, un marin arrive alors à Athènes. L'homme est hirsute. Il confie au barbier une histoire effrayante, celle d'un terrible massacre. Une armée d'envahisseurs mise en difficulté à peine débarquée. Des chefs de guerre incapables de se mettre d'accord sur une stratégie commune. Une pénurie progressive d'eau et de nourriture. Enfin, une tentative désespérée de traverser un cours d'eau pour prendre la fuite. Arrivés sur le bord du fleuve, ils s'y précipitèrent dans le pire désordre, chacun voulant passer le premier. Ils tombaient les uns sur les autres, se foulaient aux pieds. Tout à la joie d'étancher leur soif, ils continuaient à boire l'eau, pourtant ensanglantée et fangeuse. Déjà, un grand nombre de cadavres s'amoncelaient dans le fleuve. C'est ainsi que les Athéniens apprennent qu'ils ont été victimes de l'une des plus grandes défaites de l'Antiquité. Plus de 50 000 hommes ont été tués ou faits prisonniers. Deux flottes entières de trières ont été détruites. Le désastre de la campagne de Sicile avait plusieurs causes. D'abord, c'était une destination éloignée de plus de 1000 km d'Athènes. Ensuite, une fois sur place, ils se sont disputés sur la marche à suivre. Mais surtout, ils n'avaient pas de réelle raison stratégique ni tactique à se lancer dans cette campagne. Leur motivation était purement intéressée. Aveuglés par leur rêve de gloire impériale, les Athéniens se sont engagés dans une campagne absurde et vaine. Ils ont cru à tort qu'ils pourraient débarquer rapidement, mobiliser les habitants, remporter une victoire éclair et gagner dans l'affaire un territoire prospère. Thucydide décrit l'étendue des dégâts. Ce fut l'événement le plus glorieux pour les vainqueurs, le plus lamentable pour les vaincus. La défaite des Athéniens était entière et leur ruine totale. Armés de terre et vaisseaux, ils perdirent tout.
Le pouvoir militaire d'Athènes est sérieusement entamé et ses ennemis l'ont bien compris. Ainsi, les Perses, humiliés par Athènes 50 ans plus tôt, voilà l'occasion rêvée de prendre leur revanche. Ils proposent leur service aux Spartiates. Les Perses observaient la situation attentivement. Ils ont décidé d'aider Sparte en lui fournissant de la main-d'œuvre pour ramer à bord de ses galères et construire d'autres vaisseaux. Sparte, qui n'a jamais été une nation maritime, dispose désormais d'une flotte financée par les Perses. En face, la force navale athénienne a été décimée par la campagne de Sicile. Les Spartes organisent donc le blocus des ports d'Athènes. Les convois de céréales venus d'Égypte et des colonies grecques ne peuvent plus passer. Bientôt, la famine frappe la cité. Les habitants implorent leur déesse protectrice, Athéna. 30 ans auparavant, au temps de l'âge d'or d'Athènes, Périclès avait fait construire un temple fastueux en son honneur. Mais les prières restent sans effet. Le déclin d'Athènes est indiscutable. Sa population, décimée par la peste et la guerre, est assiégée et affamée. Les caisses de l'État sont vides et sa flotte, autrefois si conquérante, fait maintenant piètre figure. En l'an -404, Athènes finit par se rendre au chef militaire de Sparte, Lysandre. Les vainqueurs sont sans pitié. Les hautes murailles qui protégeaient la ville doivent être abattues. Ce qui reste de la flotte sera détruit. Il y a cet épisode très frappant où la flotte de Lysandre entre dans le port du Pirée pour démanteler la force navale athénienne. Cette destruction symbolise l'écroulement de l'Empire athénien. Les vainqueurs mettent le feu au dernier vaisseau de la marine athénienne. Seuls 12 navires sont conservés. C'est la fin de la suprématie d'Athènes. Les Athéniens ont très nettement surestimé leur capacité. C'est à ce moment, je crois, que le modèle démocratique a révélé qu'il pouvait tourner au drame. Ils ont accompli de grandes choses, mais n'étaient pas tout-puissants. Mais il faudra une ultime manifestation de vanité et de violence pour que les Athéniens commencent à se racheter une conduite et pour que leur ville renaisse de ses cendres. Pour l'heure, humiliés et privés de leur empire, ils cherchent un bouc émissaire pour expliquer leur défaite. Pour eux, il y a un ennemi à l'intérieur même de la cité. Un homme qui a osé contester leur rêve de suprématie. Cet homme, c'est Socrate.
Socrate était un esprit critique. Il s'en prenait au mode de pensée et de réflexion de ses concitoyens. Et il critiquait la vie publique athénienne. Voici maintenant plus de 50 ans que Socrate conteste et attaque publiquement les traditions athéniennes. Un groupe de jeunes disciples s'est formé autour de lui. Aux yeux de ses concitoyens, il a clairement affaibli les valeurs de la société et sapé son ambition. Sur l'ordre de l'Assemblée, Socrate est arrêté pour avoir mis en doute la religion officielle et corrompu la jeunesse de la cité. Dans une société assez concentrée comme Athènes, il est évident qu'un individu qui remet constamment en cause des principes de gouvernement séculaire est perçu comme un danger important, au moins par certaines personnes. On comprend très bien pourquoi quelques centaines d'habitants voulaient se débarrasser de lui. Les Athéniens vont juger l'homme qui a osé contester leur façon de vivre. Sur la place du marché de la cité, un auvent est tendu pour protéger l'auditoire du soleil brûlant. C'est ici que Socrate va être jugé, par un tribunal dont les membres sont tirés au sort. De nos jours, un tel procès nous paraîtrait inacceptable. Le système juridique athénien était extrêmement différent de nos systèmes contemporains. Il n'y avait ni avocat, ni juge professionnel. De notre point de vue, ce système peut même sembler plutôt inquiétant. À Athènes, le droit n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui dans nos sociétés. Le procès de Socrate est semblable à celui des 6 généraux condamnés à l'exécution sommaire 7 ans auparavant. Le philosophe n'a qu'un temps limité pour se défendre. Dans les tribunaux athéniens, toutes les plaidoiries sont chronométrées à l'aide d'une clepsydre, une jarre pleine d'eau se vidant régulièrement dans un autre récipient. Socrate ne faiblit pas face à ses accusateurs. Bien au contraire, il s'entête et explique que ses principes de vie, loin d'avoir corrompu Athènes, n'ont amené que des bienfaits à la cité. La comparaison vous paraîtra peut-être un peu ridicule, mais je suis attaché à cette ville comme à un coursier puissant que sa grandeur même appesantit et qui a besoin d'un éperon qui l'aiguillonne. C'est ainsi que j'ai été choisi pour gourmander chacun de vous, partout et toujours, sans vous laisser aucune relâche. Il ne cherche nullement la compassion du tribunal, mais place sa vie et sa personne en porte-à-faux avec l'État athénien tout entier. Il a fait ce qu'il juge bon de faire. Il estime que la vie qu'il a choisie, cette vie où l'on pense pour soi-même, est la meilleure qui soit. Comme il le déclare, une vie qu'on n'examine pas ne vaut pas d'être vécue pour un être humain. Socrate aurait pu présenter ses excuses au tribunal. Peut-être aurait-il été acquitté. Mais au lieu de cela, il réclame d'être nourri gratuitement à vie en récompense de son travail. On imagine la réaction du tribunal et de l'auditoire à l'époque. Ils ont dû en rester sans voix. Au moment du vote, le verdict est sans surprise. Socrate est jugé coupable et condamné à mort.
Il réagit avec une sérénité et un calme étonnants. Il est temps que nous nous quittions. Moi pour mourir et vous pour vivre. Qui de nous aura le destin le plus heureux? Personne ne le sait, excepté Dieu. Socrate est conduit à la prison d'Athènes. Le site est encore visible aujourd'hui. On y devine les contours de la cellule dans laquelle Socrate a sans doute été incarcéré. Des récits relatant ses derniers jours sont parvenus jusqu'à nous. Ils proviennent de ses amis et disciples venus le voir en prison et comptent parmi les écrits grecs les plus célèbres. Avec sa mort, Socrate va transformer Athènes. Il va prouver à ses concitoyens que les principes qu'il défend, l'usage de la raison et la remise en question du monde, valent la peine de se sacrifier. Il doit être exécuté selon la tradition athénienne, en buvant la ciguë. Certains récipients destinés à contenir le poison ont été conservés. Ce mode de mise à mort est atrocement douloureux, car il paralyse progressivement le système nerveux central. Mais tandis qu'approche l'heure de son exécution, Socrate continue de dialoguer avec ses amis, comme si de rien n'était. C'est en cet instant que la destinée m'appelle. C'est en effet l'heure pour moi d'aller au bain, car je crois qu'il vaut mieux prendre le bain avant de boire le poison et épargner aux femmes la peine de laver un cadavre. Mais ses amis sont bouleversés. Voici le récit de l'un d'eux, Phédon. J'eus beau me contraindre, mes larmes s'échappèrent à flots. Alors je me voilai la tête et je pleurai sur moi-même. Tous les disciples avaient le cœur fendu, excepté Socrate lui-même qui dit « Que faites-vous là, étranges amis ? J'ai toujours entendu dire qu'il fallait mourir sur des paroles de bon augure. Soyez donc calmes et fermes. » Socrate s'allonge sur sa couche en attendant que le poison fasse effet. Ses amis l'observent en silence. Il ne meurt pas pour la gloire ou pour la renommée, mais pour ses principes, parce qu'il pense que l'homme doit constamment interroger le monde qui l'entoure. Ses disciples n'oublieront jamais cette leçon. Socrate, par sa vie et sa mort, devient un héros grec d'un nouveau genre. Désormais, le héros est un homme de conviction qui suit exclusivement ce que lui dicte sa conscience intellectuelle. C'est une façon inédite de concevoir l'humain et l'idéal de l'homme vertueux. Pendant des siècles, les Athéniens ont cru en un seul idéal, celui du héros guerrier. Ceci les a conduits à vaincre des ennemis puissants et à bâtir un empire influent. Mais après avoir vécu l'humiliation de la défaite, ils découvrent une nouvelle figure emblématique à vénérer. Des effigies de Socrate ont été retrouvées parmi les ruines de la prison d'Athènes.
peut-être des offrandes faites aux philosophes exécutés. L'enseignement capital laissé par Socrate, c'est la nécessité d'être critique, surtout à l'égard de soi-même. On observe un fait intéressant parmi les Athéniens dans les années suivant l'exécution de Socrate, une même aptitude à se remettre en cause, à admettre qu'ils sont peut-être allés trop loin par le passé et à entrer dans une forme de maturité. Athènes ne retrouvera jamais sa puissance impériale. Mais elle ne se soumettra jamais plus au règne de la démagogie. Au contraire, elle devient la cité du questionnement intellectuel. Un lieu d'études et de débats où les disciples de Socrate, puis leurs propres élèves, dessineront les contours d'un monde fondé sur la raison. Ainsi, Platon tentera de formuler une société idéale. Aristote étudiera la nature, créant ainsi la biologie et la zoologie. Peu à peu, les idées et les travaux de ces penseurs grecs se diffuseront dans tout le monde antique. Dès lors, les Athéniens vont concentrer une grande partie de leurs efforts sur la réalisation de ce que l'on pourrait appeler un empire de la pensée. Auparavant, Athènes envoyait ses vaisseaux dans ses colonies pour y collecter l'impôt. Désormais, c'est la raison qui étend son empire sur toutes les autres régions du monde, y compris celles où nous vivons aujourd'hui. Et les principes socratiques, la raison, la remise en cause des évidences et du monde qui nous entoure, s'installent dans la durée. En moins de deux siècles, la Grèce antique a transformé le monde. Au milieu des ruines, quelques grands personnages ont créé un nouvel empire puissant. Ils ont inventé la démocratie et la politique, la science et la philosophie. Ils nous ont laissé une littérature et un théâtre qui continuent de nous émerveiller, des œuvres d'art et des monuments impressionnants. Enfin, ils nous ont appris à raisonner et à penser. Si bien qu'aujourd'hui, notre monde est encore pétri de ces avancées extraordinaires, vieilles de près de 2500 ans.